Plein Cap avec Habib Belaïd. Bonsoir. Plein Cap sur Hedigel, auteur, compositeur, interprète. Artiste engagé depuis les années 70, aussi bien sur le plan des textes que sur celui de la musique ou de la qualité musicale, il a chanté l'immigration, la cause palestinienne et tous les thèmes ayant trait à la liberté, à la justice et à la dignité de l'homme. Hedigel a mis en musique des poèmes d'ici et d'ailleurs, de Abul Qasim Chebbi à Mahmoud Darwish, en passant par Mohamed Sreir ou Lad Ahmed. Son premier grand succès, il le doit à un poème tunisien en arabe dialectal d'un certain Mouldi Zalil, sous le titre Babour ou le bateau de l'immigration. Enfin, pour ne pas tout raconter à sa place, j'ajouterai seulement qu'il a une maîtrise d'anglais qui lui permet de gagner sa vie. Mais qui est Hedigel, cet homme qui se cache derrière son luth ou son oud? Quel a été son itinéraire jusque-là? Quels sont ses projets après une longue absence de la scène musicale? C'est ce qu'on va savoir ensemble avec lui. بابور زمر خش البحر بابور زمر خش البحر عطاب الظهر الأرض الوطن عز الوكر عطاب الظهر الأرض الوطن عز Babour ou le bateau de l'immigration, c'était Hedigel. Et ça fait partie d'un disque sorti chez Chants du Monde. On y retrouve évidemment Babour, mais aussi Au tyran de la terre, qui est un poème de Abul Qasim Chebbi. Donc les premières chansons, finalement, ont été enregistrées dans ce disque vinyle de l'époque. Oui. Hein? Tout à fait, c'était les premières chansons à proprement parler. Voilà. Parce que avant cela, j'avais fait des premières compositions pour le théâtre. Mm-hmm. Et nous avions, avec Mohamed Riz, Fadel Shaibi, Tawfiq Jbeli, Tawfiq Giga, Radia Halouani, collaboration de Hachem Ben Faraj à la technique, nous avions monté sur un texte de Mohamed Riz et Ali Saïden, oui, qui avait joué un rôle central là-dedans. Comme comédien, Al-Qasim Azez, l'histoire de Qasim Azez, comment il a trouvé du travail et comment il en est mort. Voilà. Oui. Et j'avais donc écrit la musique pour trois ou quatre chansons dans ce spectacle qui n'ont jamais été des chansons pour le public. Je devrais peut-être les reprendre d'ailleurs, peut-être, pourquoi pas. Cette rencontre avec Mouldi Zalil et cet intérêt pour sa poésie, comment c'est venu? Ben, c'est venu d'une manière qui n'était absolument pas directe. C'est-à-dire que j'ai pris le texte de Amr Maïs et je n'ai vu Amr Maïs que 4 ou 5 ans après. Ah bon? Oui. Ah. C'est un texte qui m'est parvenu par Hachem Ben Faraj. Oui. Et c'était donc cette époque, avait ceci de particulier, c'est que les idées, l'information, les opinions, les préoccupations circulaient d'une manière naturelle. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de liberté d'expression et de désir d'échange qui était tellement intense que c'était porté par les gens et par les ondes même. Les ondes, je veux dire, les ondes oui, qui sont dans l'espace. Mm-hmm. Hein? Donc, ce Babour est une chanson que tous les Tunisiens connaissent, qui connaissaient bien avant que j'en fasse un disque en France et bien avant que j'en fasse des enregistrements en Tunisie. Oui, pourquoi? Oui. Parce que quand les Chebeb venaient dans mes concerts, dans mes récitals en France, ils brandissaient tous un petit magnéto-cassette en me disant « je peux enregistrer ». Je disais « bien sûr ». Alors, première chose qu'ils faisaient, c'était copie, et puis ils envoyaient chez eux, voilà, en Tunisie. Donc, Babour est chez tout le monde. Mm-hmm. Et ça, j'adore. Oui. C'est beaucoup mieux que le show business, tu vois. Tout à fait, tout oui, à fait. Mais la chanson de Chéri même, comment elle a été exactement, hein, exactement, distribuée, disons, exactement, diffusée, c'est comme ça. Hein, exactement. On reviendra sur Chéri même dans un petit instant, d'accord, mais vous avez beaucoup de complices
Parmi les gens du théâtre, il y avait Mons Fedouib avec vous également. Hein, ben oui, Mons, j'ai fait des chansons pour lui aussi en France. On avait animé un festival de l'immigration à Massy, dans la grande banlieue parisienne. Mm. Et j'ai fait des chansons pour un spectacle de lui. Il y avait aussi avec nous Khaled Rorbel à l'époque, je me souviens. Oui. Oui. Alors qu'avez-vous appris de tous ces gens-là et surtout grâce à Mohamed Driss, qui semble vous avoir marqué. Marqué. Oui. Bon, ce que j'ai appris... C'est d'abord la confiance et la revendication en cette chose de l'art, comme étant loin d'être une malédiction ni un aspect de marginalisation de l'individu, bien au contraire est une grâce, est une chose extraordinaire qui nous est donnée par Dieu. Cette qualité de sensibilité et le désir d'exprimer sa sensibilité et de l'échanger avec les autres. Parce que finalement, la vie, elle est fondée sur l'échange. S'il n'y a pas d'échange, la vie s'arrête. Et ce que j'ai appris aussi auprès de ces gens-là, c'est la qualité, la légitimité et la qualité de la présence devant un public. Surtout avec les gens de théâtre. Parce que j'ai été comédien avec eux, j'ai fait du théâtre. Et la qualité de la présence scénique, qui est une chose bien particulière. Hein. Il ne s'agit pas de s'exhiber, il ne s'agit pas d'exhiber quoi que ce soit. Mmh. Il ne s'agit pas d'ensorceler un public, ni de le charmer, ni de le séduire. Non, tout ça, ça ne tient pas, c'est pas bon. Mmh. Ce dont il s'agit, c'est d'avoir l'honneur de dire ce qu'on a dans le cœur et dans le ventre devant un maximum de gens, et de le revendiquer, et tout simplement de l'échanger avec eux. Peu importe la réaction qu'il puisse avoir, il va y avoir des gens qui vont apprécier beaucoup, qui vont l'accepter, qui vont l'adopter, d'autres qui vont se dire oui, mais il y a ceci et cela qui ne marche pas, et bien c'est excellent tout ça. Oui. C'est l'échange. إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موج الظلام ومات البصر في العيون والبصائر ضاع الطريق في الخطوط والدوائر يا ساير يا داير يا ابو المفهوميه ما فيش لك دليل غير عيون الكلام. Et alors, qu'avez-vous appris grâce à Cheikh Imam, oh là là, qui vous a certainement influencé? Que représentait-il pour vous? Cheikh Imam, pour moi, merci Cheikh Imam, mission accomplie hein, quand même, avec près de 350 compositions. Cheikh Imam, pour moi, est Qat'an, absolument. Le compositeur, le faiseur de chansons le plus important après Saïd Darwish. Ouais. Il y a eu Saïd Darwish, et puis il y en a eu d'autres. Au début du siècle. Oui, il y en a eu d'autres. Oui. Dont Zakaria Ahmad. Extraordinaire. Oui. Mohamed Abdelweb, fabuleux, oui. Quelle audace, quel génie, oui. Quel chanteur. Oui. Dont Riyad Sombati, l'architecte de la musique arabe, de l'écriture musicale. Hein. Mais Cheikh Imam, c'est autre chose. Cheikh Imam est un homme qui, comme Saïd Darwish, comme Zakaria Ahmed, mais plus loin que Zakaria Ahmed, qui a prouvé encore que le plus important, c'est de s'accrocher à sa tradition, c'est-à-dire à sa mémoire, la mémoire musicale. Ne pas sortir impunément comme ça, et just for the heck of it, comme on dit en anglais, par coup de tête ou par caprice ou par imitation, des limitations de notre appartenance. La musique arabe est une musique extrêmement belle, elle a sa sensibilité propre, elle a son apport propre et sa contribution à la musique de la planète. Ainsi, Scheherazade de Rimsky-Korsakov, qui est composé sur le maqam Hijaz, mais c'est quand même de la musique russe, très authentique. Et puis, la thématique développée par Cheikh Imam, ça aurait pu être n'importe quelle thématique, mais là il s'agit de textes patriotiques et progressistes, hein, et même socialistes. Mais ce qui est très très important, c'est justement ce rapport à la ligne musicale, l'ahn, ou la mélodie plus exactement, parce que notre musique est mélodique, elle n'est pas harmonique. Ce rapport-là entre l'ahn
et le texte, la parole, le verbe. Eh bien, moi, je dis que Cheikh Imam, longtemps après Saïd Darwish, est le seul qui soit véritablement un compositeur qui écrit de la musique pour accompagner le sens d'un poème. Hein? Donc, il n'y a pas de raté. Oui. C'est quelqu'un qui travaille sur la sémantique poétique et la sémantique musicale. Et ça, tu vois, c'est pas du tout hasard, parce qu'il a reçu un enseignement traditionnel. Mokhre Koran, c'est quelqu'un qui récite le Coran, et le Coran est le texte le plus intense qui puisse exister en langue arabe. Ouais. Mais quand tu écoutes ça, quand tu écoutes Mohamed Rafaat ou quand tu écoutes Cheikh Mustafa Ismail, c'est tellement beau et grand que tu te dis, mais c'est facile tout ça. En fait, c'est facile à la réception, c'est bienfaisant à la réception. Ouais, ouais. Mais c'est tellement ardu à la conception et à l'exécution. Voilà, Cheikh Imam, c'est un géant pour moi. Et est-ce que cette idée de se faire accompagner d'un luth, d'un oud, venait de l'expérience de Cheikh Imam? Oui. Oui, parce donc que c'était un maître en quelque sorte. Ah, mais c'est encore. Oui. C'est encore un maître. Oui. Je n'arrête pas d'écouter Cheikh Imam, je n'arrête pas d'être bouleversé et de découvrir des choses. Oui. Et je voudrais ajouter ici que, comme qualité de chanteur, il est tout à fait merveilleux aussi. Oui. Qui a cette capacité d'inventer sur l'invention, c'est-à-dire de prendre une ligne mélodique et d'improviser dessus, ertigelen, à l'instant même de la récitation. Il n'y en a pas beaucoup. Oui. دلي الشيكارة دمب الشيكارة وقعد يا حفني ولع لك سيجارة دلي الشيكارة دمب الشيكارة وقعد يا حفني ولع لك سيجارة. Dalli Shikara, Cheikh Imam, ça fait partie de son premier album, lui aussi, qui s'intitule Uyun al-Kalam, les yeux des mots. Des mots, hein? Et c'est sorti aussi chez Chant du Monde. En France, à Paris. En France, ouais. Voilà. Et l'enregistrement a été réalisé par notre ami Hesham Benfrej, oui, qui a beaucoup fait pour ce genre de musique, oui, et de chansons, aussi bien en Tunisie qu'à l'étranger. هناك فترات عسيرة بعض الماء في حياة الإنسان ولكن خلال هذه الفترات هناك شيء ثمين جدا 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 وهو يجعل الحياة تتواصل وهذا الشيء اسمه الأصدقاء فأحببت أن أشكر وأحيي مدير هذا المكان توفيق الجبالي الذي يقدم لكم معي الليلة هذه الأغنية انت الكناويتا وانا الدلال انت الكناويتا وانا الدلال نعرف معون ماهوش اتفار مو نعرف معونك ماهوش اتفار عاد خلي صابونك من غير شكان حياتي بدونك دبوزة بدونك دبوزة جافير حياتي بدونك دبوزة بدونك دبوزة جافير بدونك دبوزة جافير بدونك دبوزة. شكراً.